j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to my new subscribers, thank you for subscribing. Aujourd'hui, je vais faire un haul Zara des soldes de la troisième des marques. Donc, j'ai trouvé des articles à prix abordable, bien sûr. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, je vais vous présenter, je vais commencer avec deux pièces que j'ai trouvées dans d'autres enseignes. C'est juste... vite fait, hein, des sacs. Donc il y en a un de la marque H&M que j'ai trouvé vite fait. En fait, je voulais échanger un vêtement et j'ai vu ce sac-ci vert. Voilà, c'est pas en cuir. C'est pas en cuir. Donc c'est en simili-cuir. Ouh, il n'y a plus de soleil. Donc c'est en simili-cuir vert matelassé. Vous avez une boucle dorée. Je peux porter ce sac sur les épaules ou bien je peux allonger la comme ceci. Donc j'aime beaucoup, je sais que vous ne voyez pas mais je vous montre juste vite fait et ça m'a coûté 10 livres seulement. Donc c'était une bonne affaire. Après j'ai pris un autre sac que j'ai trouvé à TK Maxx, donc c'est un sac d'été. Je profite parce que c'est vraiment très abordable. Je l'ai pris... pour le prix de 20 livres et je sais que ces sacs là, cette marque là coûte assez cher j'irais, et voici le sac. Donc c'est de la marque Geiger, voilà, très très joli sac d'été, un sac en paille, en cuir. Ici vous avez bien sûr le logo Geiger, une petite poche ici où vous pouvez mettre les masques ou mouchoirs. Voilà, tout simple, très très joli, it was a bargain, très très bonne affaire pour 20 livres. Je pense que ce sac-ci, à la base, il coûtait peut-être 80 livres à 100, 120 peut-être. Donc voilà les deux sacs que j'ai pris. Maintenant, on passe sur les articles de chez Zara. Donc le premier article, c'est un body asymétrique que j'ai pris à manche, avec une seule manche longue. Voilà le body. Malheureusement, ce body, il est tout fin. J'adore la coupe, j'adore la couleur, mais il est très très fin. En fait, il faut vraiment savoir quoi mettre en dessous. Mais sinon, il est très très beau et pour le prix, il m'a coûté que 3,99 €. Donc, je pense que je vais le garder. Ouais, je pense que je vais le garder. Porter avec du blanc, du marron, un jean, voilà, du noir. Je trouve que ça fait assez élégant. Voilà pour ma première pièce. Après, j'ai pris une robe polo. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de haut. Une robe vert comme ceci. Voilà, c'est très décontracté, très longue. Elle m'arrive jusqu'en bas de mes mollets. Vous avez deux fentes de chaque côté. Donc c'est juste une robe tout droite, vous pouvez la porter en hiver avec des bottes et collants et un manteau. Après en été avec des baskets, une paire de baskets, votre sac, très très décontracté. J'aime beaucoup en tout cas, c'est très simple, mais vous voyez que c'est une couleur vert, donc vous serez toujours, je serai toujours dans la tendance. Voilà, quelque chose d'assez simple, je l'ai pris pour 5 livres. J'ai pris un jean. Ma caméra là, ok, j'ai pris un jean de chez Zara. Je cherchais un jean rose, un jean marron, un jean vert. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver ma taille 10 ou 38, toujours en rupture de stock. Donc je me suis dit, je vais quand même profiter, je vais quand même acheter un jean, je vais pas laisser passer. Donc j'ai pris un jean, le slim flare. Il est super beau, de la taille, j'ai pris la taille combien? La taille 38, c'est ma taille. J'aime bien en fait le petit logo Zara blanc. Et j'aime beaucoup la couleur pour l'été. Et c'est un jean distress ici en bas. J'aime beaucoup en fait aussi les détails en fait en bas. Voilà. Il est très très beau. Je vous conseille ce jean, mais à 110%, je l'ai acheté pour 7 livres seulement. Voilà. Après, j'ai pris une chemise en faux satin. Le satin va être une tendance, l'une des tendances printemps-été 2022. J'ai opté pour cette couleur.
un orange moutarde très très joli porté. D'ailleurs, j'ai un pantalon qui va avec. Voilà, j'adore. Il est pas trop beau. Donc, vous avez des boutons dorés. J'adore les manchettes. Les manches manchettes. Un décolleté V. Il est très très beau. Cette chemise-là, vous la retrouvez dans d'autres coloris. Je pense 4 ou 5 autres coloris. Voilà, moi, c'est celle-ci que j'ai trouvée et j'aime beaucoup. Je l'ai pris pour, je pense, 7 livres. Voilà. Après, j'ai pris une robe. Sincèrement, je l'ai trouvée par hasard. Je me suis dit, ok, comme je vais aller essayer des vêtements dans la cabine, tout ça, à essayage. Donc, j'ai juste pris, je vais essayer. Et j'ai trouvé super cool, très rétro, très différent. J'adore. Donc c'est cette robe-ci. À la base, je cherchais une autre robe, mais j'ai trouvé celle-ci. Ce que j'aime sur cette robe-là, en fait, ça fait classe rétro. Mais après, je pense que porter avec des bottes, des bottines, ça va faire un look rétro chic, genre streetwear. Je sais pas comment dire, mais voilà. Alors c'est une robe tout droite, mais elle cintre un peu vers la taille. Elle est très longue jusqu'à mes chevilles. J'adore l'imprimé, les deux imprimés qui partent en asymétrique. Voilà. Le col rond et ce que j'aime beaucoup, en fait les manches longues. Ce que j'aime beaucoup derrière, en fait, vous avez une ouverture. C'est très joli porté, vraiment joli. Voilà, cette robe couleur bleu foncé et beige, un beige rosé, très très jolie. Je l'ai pris que pour 9 livres et elle n'est pas aussi lourde que ça. Donc je pense qu'en printemps, peut-être même en été, le soir, je peux toujours la porter. Voilà, et maintenant pour ma toute dernière pièce, ma pièce de résistance. Je l'ai trouvée par hasard. Je l'ai trouvée par hasard. Sincèrement, je ne pensais même pas que j'allais trouver encore un ensemble de blazer et le pantalon en cette période, en fait. En solde, hein. Là, je parle des soldes. Donc, je cherchais mes trucs sur Zara, sur le site, et je suis tombée sur ce blazer-ci. Quand j'ai vu le blazer, je me suis dit, j'en suis sûre que si je clique dessus, bah, il sera en rupture de stock. Bah là, je clique dessus et je vois disponible en taille L et M. Vu que les tailles Zara, c'est compliqué, j'ai eu un peu peur, je l'ai pris en taille L. J'ai pris en taille L. Oui, je l'ai pris en taille L. Je préfère que ce soit grand et je retouche, que ce soit trop petit, après je regrette tout ça et je retrouve. Et puis après, je retrouve plus la pièce. Donc après, je me dis, ah oh non, ben, le pantalon ne sera pas disponible, je vais laisser tomber et je regarde là. On me conseille le pantalon, je clique dessus, disponible en taille L. Je clique, je l'achète directement. Donc voilà, le pantalon, je l'ai pris pour 9 livres et la veste pour 29 livres. Et regardez-moi cette couleur, elle n'est pas trop belle. Magnifique, j'adore. J'adore. Si vous le retrouvez, achetez-le pour le prix. It's a bargain, guys. En fait, c'est un ensemble masculin, mais c'est très joli. Vous portez avec un body noir, crop top, juste. C'est joli, magnifique. Vous pouvez l'assembler avec plusieurs couleurs, vu que ce sera la tendance. Voyez même le jaune moutarde, là, l'orange moutarde. Toutes les couleurs que vous voulez, vous pouvez les assembler avec. Et voilà ma pièce. Donc j'ai pris avec un pantalon. Vous avez des boutons noirs en fait. Et vous avez la veste à un seul bouton. Des poches. Voilà, c'est très joli en tout cas. C'est très classe. Sublime, magnifique. Mon coup de cœur. Mon coup de cœur. Je suis très contente d'être tombée dessus en tout cas. Donc voilà, c'était mon petit haul Zara des soldes. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos si je peux retrouver. C'est vrai que la plupart des articles seront peut-être en rupture de stock, mais il faut toujours regarder sur le site parce que c'est des bonnes affaires. Et donc j'espère que vous avez aimé. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, à me mettre des pouces vers le haut et de partager mes vidéos. Sur ce,
On se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Ouh, j'arrivais plus à parler. Bye bye.